Bonjour. Vous le savez, les épices existent en très grand nombre et en provenance du monde entier. Voici aujourd'hui une sélection des incontournables pour votre cuisine. Vous allez bien sûr utiliser les épices selon vos préférences, mais sachez tout de même que certaines d'entre elles sont indispensables dans la préparation de plats bien spécifiques. Par exemple, le paprika est essentiel à la réussite d'un bon goulash. Le safran, la cardamome et le curcuma ont le pouvoir de transformer un simple riz en un plat délicieux, coloré et plus exotique. C'est par exemple le cas de la paella avec le safran. Le curcuma, plus boisé, sera parfait dans un curry indien. Utilisez les notes piquantes du gingembre avec vos sushis, mais également pour rehausser le goût des grillades et les saveurs du chocolat noir. La noix de muscade, très aromatique avec un léger goût camphré, est idéale pour vos préparations à base de lait comme la purée et les quiches, mais aussi pour vos sauces comme la béchamel. Ensuite, l'anis étoilé, appelé aussi badiane, est excellent dans du riz ou en tisane pour ses qualités digestives. En dessert, ajoutez-le à vos salades de fruits. Quant à la célèbre cannelle et son goût suave et très parfumé, elle est parfaite pour vos desserts comme des compotes de pommes ou de poires. N'oubliez pas de la rajouter à votre préparation pour un bon vin chaud. Toutes ces épices s'achètent en poudre, mais aussi entières pour conserver au maximum leurs arômes. De toute façon, il vaut mieux les prendre en petite quantité et les conserver dans un endroit sombre, sec et frais. Attention aussi au dosage pour ne pas masquer le goût de vos aliments. À très bientôt !